بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors toujours avec les cinquièmes AP. Aujourd'hui, on va faire les verbes du premier et deuxième groupe au présent de l'indicatif. Donc c'est le projet 2, c'est un lieu exceptionnel. Séquence 1, nous allons au musée. Alors, c'est un petit exercice sur les verbes du premier et deuxième groupe au présent de l'indicatif. Alors, complète les phrases en utilisant le présent. Très bien. Alors, mon frère et moi. Mon frère, Anna ou Akhi. Donc, je remplace mon frère et moi. Donc, ça, c'est un groupe nominal sujet. Je le remplace par nous. Nahnu. Mon frère et moi. Donc, c'est nous. Donc, il m'a dit, nous, la terminaison plus présent, c'est ONS. Mais au deuxième groupe, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la même chose comme le premier groupe. On a l'infinitif IR et j'ajoute la terminaison. Alors, avec nous, on a I2S, ONS. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va écrire? Alors, mon frère et moi, nous, ça veut dire nous, grandissons. Alors, grand. Dissons. ONS. Alors, la terminaison, c'est ONS, beaucoup. Alors, mon frère et moi, je la remplace par nous. Mon frère et moi, nahnu. Le verbe grandir, c'est un verbe de deuxième groupe. Alors, nous grandissons beaucoup. Très bien. Les spectateurs. Alors, je remplace les spectateurs par il avec S. Les spectateurs, donc c'est le pluriel, c'est la troisième personne du pluriel. Applaudir, yani yusafirou. Alors, applaudir, la terminaison c'est I2SENT. Alors, applaudis, A2P, L, A, U, D, I2SENT. Donc, là, j'ai pas assez de place, donc, plachouya, pardon. Les spectateurs applaudissent à la fin de chaque chanson. Alors, applaudis, chandiru, nardinglo, IR. Bien sûr, nadémen, deuxième groupe, démen, andil, I. Ça veut dire, avec l'I, démen, igot. On dit, deux S, ou terminaison, à la septième. Donc, il avec S, I2S, ENT. Nous, I2S, ONS. Vous, I2S, EZ. Je, IS. Tu, IS. Il ou elle, IT. Voilà. Alors, nkemlo, mon cousin. Alors, par quoi je remplace mon cousin? Je le remplace par il. Ibn Ami ou Ibn Khali, mon cousin, c'est un nom singulier masculin, donc je le remplace par il. Réagir, alors réagit. Gunama, il ou elle, on dit it. Donc réagit, voilà, pardon, réagit. Donc on dit e, a, ou bad, on dit adj. Voilà, réagit, voilà. Très bien. Alors réagit. Dès qu'on l'embête. Voilà. Alors, réagir, on dit E-A-G-I-T. Alors, la terminaison, c'est I-T. Donc, on a dit I-R. On a la terminaison, on a l'infinitif, on a l'infinitif et j'ajoute la terminaison. Je supprime l'infinitif et j'ajoute la terminaison. Alors, on a nous. Elle, nous, le verbe proposer une seconde maison. Proposer, c'est un verbe du premier groupe. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, l'infinitif, ER. Alors, premier groupe, ER. Deuxième groupe, IR. Alors, elle, chez nous, elle, hier, propose Talina une seconde maison. Donc, hier, elle, alors, na, propose E à la fin. Propose E à la fin. Donc, là, l'infinitif ER et indiro E. Elle accepte le pronom personnel et Adna. Voilà. Alors, car nous, donc, naoulina nahnu, nous, le verbe aimer, c'est un verbe de premier groupe. Alors, nous n'aimez pas, donc, la phrase là à la forme négative, puis à ne pas. Alors, nous aimer, donc, nous n'aimons pas. Alors, aimons, aimons, M-O-N-S. Alors, n'glal E-R, mondilo, O-N-S, sublasta. Alors, dès le présent, l'infinitif et j'ajoute la terminaison. Nous n'aimons pas la première. Tu, le verbe chanter. Alors, tu chantes ES à la fin. C'est un verbe du premier groupe. Tu chantes une chanson. Très bien. On répète.
Complète les phrases en utilisant le présent. Mon frère et moi, je les remplace par nous. Le verbe grandir, n'gla hadik ir, m'dirou i2s-ons, ma nous, i2s-ons. Dès que l'on dit i2s, ma nous, ma vous, ma il ou elle avec s. Nous grandissons beaucoup. Les spectateurs, je les remplace par il avec s. Le verbe applaudir, alors il avec s, on dit i2s-ent. Alors applaudissent. Applaudissent à la fin de chaque chanson. Mon cousin, je le remplace par il. C'est la troisième personne du singulier. Réagir. Alors, réagit it à la fin. It à la fin. Donc, on va juste bien. Donc, réagit. Réagit it à la fin. Dès qu'on l'embête. Elle nous proposait. Donc, là, la première personne, c'est elle. Elle nous proposait, donc elle, le verbe proposer, c'est un verbe du premier groupe. J'efface l'infinitif, er, et je mets la terminaison e avec elle, dirou e. Une seconde de maison, car nous, donc d'ailleurs le pronom personnel, c'est nous, donc la terminaison, c'est ons. Le verbe aimer, c'est un verbe du premier groupe. On efface l'infinitif er et on met la terminaison ons. Alors, car nous n'aimons pas la première. Voilà. Tu, le verbe chanter, c'est un verbe du premier groupe. J'efface l'infinitif ER et j'ajoute la terminaison avec tu, c'est ES. Tu chantes une chanson. Alors aujourd'hui, on a conjugué les verbes du premier et deuxième groupe au présent de l'indicatif. Alors la différence que les verbes du premier groupe, ikemnoble ER, deuxième groupe IR. Pour le présent, on est obligé d'effacer l'infinitif IR et ER. Et on ajoute la terminaison, tout dépend du pronom personnel. Alors, vous le remercie pour les j'aime, pour les commentaires et au revoir.